rapporte. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les conséquences sociales d'un chômeur âgé de plus ou d'un chômeur jeune en plus. Le texte va maintenant être présenté au Parlement. Il s'agira du premier projet de loi examiné après les fêtes de fin d'année, mi-janvier donc. Adrien Jeanne avec Jérémy Brigot, la crise à l'UMP et ce nouveau délai. Jean-François Copé annonce qu'il va falloir attendre début janvier pour savoir ce qu'il propose. Le président proclame et qui grappille encore quelques semaines au siège de l'UMP. Pauline Saramy. C'est un bureau politique plutôt tendu qui a eu lieu ce matin au siège de l'UMP en présence de Jean-François Copé, bien sûr, mais aussi en présence des proches de François Fillon, Valérie Pécresse, notamment Laurent Wauquiez, puis Christian Estrosi qui a eu l'occasion de se défendre sur les accusations de fraude dans sa ville de Nice. Il y avait aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, qui, comme vous le savez, est à l'origine d'une initiative parlementaire. Un vote mardi prochain, Jean-François Copé lui a reproché notamment devant le bureau politique d'être plutôt un partisan de François Fillon, même si Bernard Accoyer se dit non aligné. Il lui a également répété que selon lui, les parlementaires ne sont pas légitimes pour voter sur une question interne au parti et que ce n'est qu'aux militants de voter. On sent donc toujours comme un blocage, mais à l'issue de ce bureau politique, lors de la conférence de presse, Jean-François Copé a voulu se montrer apaisant, même s'il n'a pas pu s'empêcher de glisser une petite phrase. Je vous propose de l'écouter tout de suite. De manière générale, je ne renonce jamais à rien. Mais comme je vous l'ai dit, j'évoquerai tout ça au début du mois de janvier. Certes, il y a plus de parlementaires qui ont soutenu François Fillon que de parlementaires qui ne m'ont soutenu. C'est arithmétique. Donc forcément, vous trouverez plus de parlementaires qui soutiendront son exigence plutôt qu'ils ne soutiendront ma proposition. Je dis juste qu'il ne faut être dupe de rien. Ceux qui aujourd'hui sont à l'initiative de la énième proposition, parce que ça, il y en a plusieurs par jour, comme par hasard, ne sont pas ceux qui m'ont soutenu à la présence de l'UMP. Donc le vrai sujet, c'est que la trêve des confiseurs, puisque c'est ainsi qu'on appelle les deux semaines qui vont venir, doit permettre aux esprits de s'apaiser. Et je dis en responsabilité que l'apaisement, ça peut aussi permettre d'être de bons conseils. Voilà. Vous l'avez entendu, Jean-François Copé a beau se dire toujours ouvert au dialogue, il ne semble pas prêt à renoncer à sa présidence de l'UMP. Aucune chance qu'il recule selon ses partisans. Mais la vraie question qui se pose désormais au siège de l'UMP comme à l'Assemblée nationale, c'est de savoir combien de personnes iront voter mardi prochain, combien de parlementaires. Cela devrait donner un ordre d'idée du nombre de députés qui sont prêts à siéger au groupe RUM, Rassemblement UMP, ce groupe dissident créé par François Fillon, si toutefois celui-ci se pérennise. On reparle de cet assassinat de cette avocate à Marseille. Maître Raymond Talbot avait été retrouvé mortellement poignardé dans son cabinet. Eh bien, trois hommes ont été interpellés. Il s'agit d'un père et de ses deux fils. Selon une source proche de l'enquête, l'un des trois suspects serait un ancien client de l'avocate. On écoute la réaction du bâtonnier de Marseille. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, trois personnes ont été interpellées et que l'enquête avance vite. Je vous rappelle que le procureur de la République a ouvert une information pour homicide et vol aggravé, puisqu'il semblerait donc, à l'intitulé de l'information ouverte, que des effets aient été dérobés au moment où l'homicide a été commis. Et ma réaction, c'est d'abord la satisfaction que l'enquête puisse avancer, puisque à la fois la famille, les proches et aussi le barreau de Marseille est très attentif à ce que cette enquête puisse avancer et que les auteurs puissent être retrouvés rapidement. Il est presque 13h10, on va évoquer à présent, évidemment en direct, l'événement en télé du jour, le lancement de 6 nouvelles chaînes sur la TNT, dont une petite particulièrement qui nous intéresse. Elle nous intéresse au premier plan puisqu'il s'agit d'RMC Découverte. Graziella Rodriguez, vous êtes au CSA pour BFM TV. Comment ça va se passer précisément et qu'est-ce donc que cette chaîne RMC Découverte? Vous avez un interlocuteur pour répondre à ces questions, évidemment. Eh bien, écoutez, vous allez tout savoir dans un instant. D'abord, on va un petit peu planter le décor avec le président du CSA qui est à nos côtés, ainsi qu'avec Alain Veil, patron d'RMC Découverte, de Next Radio TV. Michel Boyon, un mot d'abord de ces 6 nouvelles chaînes de la TNT gratuite qui sont lancées aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure d'une nouvelle étape dans la légende de la TNT. Oui, la TNT, c'est vraiment à mes yeux une légende. Les légendes d'hommes et de femmes qui d'emblée y ont cru parce qu'ils ont l'amour de la télévision, mais ils sont aussi l'amour du public. Et Alain Veil, notamment, qui préside le groupe Next Radio. Alors Next Radio, c'est notamment
BFM TV et BFM Business, mais c'est aussi à partir de maintenant RMC Découverte a joué un rôle considérable dans cela. Il y a cru, il y croit, il a investi, s'est donné à fond avec tous les garçons et les filles de ses équipes. Et c'est vraiment une très juste consécration aujourd'hui avec le lancement de cette chaîne, qui est une chaîne qui, à mes yeux, est extrêmement innovante. Justement, pour en savoir plus, on se tourne vers vous, Alain Veil. Présentez-nous RMC Découverte. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chaîne? Je vais être très bref parce que je crois que le plus intéressant, c'est de lancer vite la chaîne. Donc RMC Découverte, c'est une chaîne de documentaires qui renouvelle le genre. Voilà, donc maintenant, il faut que les téléspectateurs regardent les images et on est prêt avec le président Boyon, Franck Leloup, c'est parti. Poli, à démarrer. Donc Michel Boyon, je vous invite à appuyer ici sur la touche. Voilà, et moi j'appuie là, et c'est parti. C'est parti pour RMC Découverte. Voilà. C'est parti. Franck Harbour, c'est parti. Et longue vie donc à RMC Découverte. Compte avant tout. Rendez-vous sur le canal 24 de la TNT. Bravo à tous les équipes de RMC Découverte d'avoir en aussi peu de temps réussi à concevoir la chaîne, en définir la ligne, en réaliser ou commander les premières productions. Peut-être un mot à la veille des programmes d'RMC Découverte. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir sur cette nouvelle chaîne 24? Des thématiques fortes, avec trois principes importants. D'abord, la connaissance, le savoir dans tous nos programmes. Ensuite, des histoires vraies, toujours, pas de fiction, que des histoires vraies. Et enfin, du divertissement, du spectacle, parce que c'est important aussi pour attirer l'attention du public et puis pour permettre aux téléspectateurs de passer de bonnes soirées devant l'antenne. Et ensuite, des thématiques fortes, voyage et art de vivre, sciences et technologies, animaux et aventures, histoire et société. Voilà ce qui va composer les programmes de RMC Découverte à compter de maintenant. La plupart des programmes sont des documentaires inédits à la télévision gratuite en France. Très peu de documentaires déjà vus en France. Des documentaires pour certains viennent de l'étranger, d'autres viennent de la France et ont été peu vus. Et on va beaucoup produire dans les années qui viennent parce qu'on veut maîtriser notre ligne éditoriale, on veut innover. Et pour maîtriser nos programmes, il faudra qu'on les produise. Et c'est un projet très, très passionnant. D'accord. Certaines voix se sont élevées au niveau du marché publicitaire. Certains étaient un petit peu inquiets, notamment les acteurs historiques. C'est quand même un sacré défi de lancer une nouvelle chaîne dans l'état actuel des choses. Vous êtes plutôt rassurant. Non, on est dans un pays où on s'inquiète toujours avant de se réjouir. Donc nous, on est positif. Lancer une chaîne, c'est une expérience merveilleuse. Le contexte économique n'est pas très bon. Et alors, s'il avait été bon, il pourrait être mauvais l'année prochaine. Et l'année prochaine, il sera peut-être meilleur que cette année. La chaîne, elle démarre pour toujours. Donc voilà, le contexte est ce qu'il est, mais ça n'empêche pas le fait qu'il fallait lancer la chaîne maintenant. Vous affichez la même confiance qu'il y a 7 ans finalement au moment du lancement de BFM TV. Bah oui, on voyait que c'était aussi une opportunité intéressante et on va aujourd'hui lancer une nouvelle chaîne. C'est une autre aventure et une aventure passionnante pour toutes les équipes. Merci beaucoup. Voilà donc pour le lancement d'RMC Découverte que vous avez vécu en direct sur BFM TV. Des documentaires à voir donc dès à présent sur le canal 24. Merci Gradiella. Le rendez-vous est pris et longue vie donc à RMC Découverte. On vient au reste de l'actualité. Les syndicats de PSA qui ne désarment pas. 24 heures après avoir rejeté le plan de restructuration en